Alors en fait, c'est une installation qui part du thème de la randonnée. Et le concept était de laisser le bébé libre dans un espace pour déambuler, pour découvrir des matières, des textures. En fait, le principe était qu'il puisse retrouver sur son parcours des petits éléments comme des pierres de lave, des gaines de bambou, des petits disques avec des éléments végétaux récoltés ce printemps. Et l'idée était vraiment qu'il soit immergé dans un paysage à l'intérieur. La maison magique, c'est une sorte d'appartement un peu fou où il se passe plein de choses à découvrir magiques. Donc, par exemple, on peut rentrer dans le frigo, accéder à la salle de bain. Sous la table de la cuisine, il y a des petites formes aimantées. On peut rentrer dans le canapé. On peut escalader la cheminée pour se retrouver dans le lit de la chambre à coucher. Bref, c'est une maison qui apparemment a l'air absolument normale, tout en bois, mais qui, au fur et à mesure de sa découverte, laisse apparaître plein de surprises et des jeux, principalement, pour s'amuser à l'intérieur de cet espace. En fait, elle part de 4 vidéos que j'ai fait pour mon petit œil, qui correspondent aux 4 saisons. Et donc, c'est un dispositif qu'on a étendu après en scénographie, qui va aussi accueillir des ateliers, et qui sont du coup des ateliers autour des 4 saisons.